Guys, les gars, on a un truc pour vous, regardez. Kaka, il vous signe le ballon pour la S3 Society. Faudra le gagner. On a raté l'intro, wesh. On va leur faire. Yo, c'est la S3. C'est quoi? C'est le vlog. Le mec est là. Voilà, donc en fait, ce mec-là, il va être là avec nous tout au long de ce voyage, mais il est un peu busy, tu vois. Ouais. Donc on va profiter et tu vas nous expliquer pourquoi on est là. On est là, en fait, pour la sortie du ballon de la Coupe du Monde. Voilà. D'accord. Et oui, tu comprends, mais pas que ça. D'accord. Aussi la finale mondiale de la Tango League. D'accord. Là où t'as été juge, là, tu vois, là où t'as ouais, été juge. Ouais, ouais. Ah, Mélodie, pourquoi tu fais la timide? Parce que Mélodie, elle est toujours timide. Ouais. Je comprends, Mélodie, elle parle sur son Insta Story toute la journée, mais dès que c'est YouTube, elle parle plus. Bon, allez, salam alaikum. Bon, alaikum salam. Bonne matinée. Je vous fais quelques petites images, moi aussi, de mon côté. Nous, on va aller à la Predator Room. Vas-y, accroche-toi à moi. Allez, ciao. Oh, on est où? Attends, on est dans le bus. C'est bête, en fait. Autant y aller direct, non? Donc, on vient d'arriver dans un endroit assez spécial. Là, je vais commencer à disparaître parce que c'est sombre à l'intérieur. On sort de la Predator Room, c'était lourd. C'était lourd, mais pour l'instant, on peut rien vous dire, ça reste secret. Là, c'est le moment chill un peu, regardez, on est là. Je sais même pas comment elle s'appelle cette place, mais c'est archi beau gosse. Il y a le poteau là, il m'a fait un chapeau, il a tout capté. Il sait que je suis un touriste, il sait que je peux me faire plumer bêtement et il sait que je vais l'acheter. Et il a raison. C'est combien le chapeau? How much? Money. Ok, il me propose 10 balles. Dites-moi en commentaire si je le prends ou pas. La fin de la session freestyle. J'ai réussi du premier coup en plus. Faut pas faire croire aux abonnés que t'es nul. Maintenant on va où? Là on retourne à l'hôtel d'abord. Ah attends, j'étais pas prêt. Vite. Attends, je localise l'hôtel. C'est bon. De retour à l'hôtel, voilà, c'était pas mal. On a fait plein de photos, plein de trucs trop stylés. On va mettre tout ça sur Instagram, on va vous le mettre là. On va laisser préparer, on va changer. Tu vas te reposer au calme. Ce soir, gros événement. Lancement officiel du ballon, on va vous le présenter. Et on vous le fera gagner, je vous le promets. Enfin bref, dis Mélo, tu entends ta chambre. Fous-moi le corps. Tu me parles autrement. Allez, tu vas dans ta chambre là, tu fous le corps. Bon, allez, à plus. Bonjour. On vient d'arriver. Grave, là, ça va être dingue. Là, ça va être dingue, Mélo. Là, ça va être dingue. C'est sûr. Là, ça va être dingue. Mais mesdames et messieurs, il y a une chose que ne vous a pas dite. Ouais. On est avec Vinsky. Ça va? Non. Allez, vas-y. Mais voilà, on a accompagné de Vinsky durant ce voyage et ça se passe bien. Jusqu'ici, tout va bien. Très bien. Voilà. On va voir si elle rigole. Jour numéro 2 en Russie, je suis accompagné de Fred de Footpack. Vas-y, présente-toi. Alors, Footpack, c'est un site qui est spécialisé dans les équipements de foot, que ce soit les maillots, les ballons, les protèges tibia, tout en fait. Bah, et c'est pas les fakes de Clignancourt, hein, je vous dis. On peut checker. Même parler des fakes en fait. Vous voulez même parler des Mais fakes? Mais oui, on t'explique c'est quoi la différence d'accord. Des fakes et des vraies choses. D'accord. Un petit cadeau pour nos subscribers. Yeah. Tu peux nous décrire un peu ce ballon en très rapide? C'est un ballon inspiré du premier ballon marketé par Adidas en 1970 à la Coupe du Monde à Mexico. Au Mexique. Là, ils l'ont refait, donc modernisé aussi. Ouais.
ouais. Voit un design comme des pixels en fait. Ouais. Ça c'est une dédicace un peu rétro, comme les maillots Adidas de la Coupe du Monde. Ouais. Et en gros, voilà, hein, c'est un nouveau ballon avec 6 panneaux. Sur le premier ballon en 70, il y avait 32 panneaux. Les panneaux, c'est les petits carreaux. Hein. Okay. Ah, c'est technique. Ouais, j'ai pas tout compris, mais en gros, c'est un ballon de foot. Ouais, voilà. Ah, voilà, c'est comme dans DBZ. Ok les gars, c'est parti. Allez, let's go. Qui on retrouve, on dirait un pâté de crabe ton sandwich. J'étais filmé avec Monsieur Kaka, j'ai perdu au Crossbar Challenge. Non. Franchement, Kaka. Contre Kaka. Genre il a la précision de ouf. Non, c'est moi j'ai déconné. Il a dit, c'est pas lui qui a gagné, c'est non, moi qui ai perdu. Voilà, exactement, c'est moi qui ai perdu. Mais bon, tranquille. Okay. C'est, en fait, franchement, c'est mieux de perdre. Parce que c'est trop gênant de gagner contre un mec. Ne retenez surtout pas cette phrase. Ne retenez surtout pas cette phrase. D'accord. Ok, la Belge de Moscou, elle était cool. Là, on va arriver dans un trampoline park. Et à ce qui paraît, c'est ici qu'ils font la finale des challenges de ceux qui ont gagné à trampoline. Troisième jour ou quatrième jour, je sais plus. On va regarder le meilleur joueur du monde jouer au foot. N'est-ce pas, Vince Sky? N'importe quoi, c'est. pronostic, les gars? 3-0 pour l'Argentine. 2-0 pour l'Argentine. 2-0 pour l'Argentine. Ok, moi je dis 3-1 pour l'Argentine. Tous en cœur. Messi, Messi. Ouais. Le match a été nul à chier. Argentine 0, Russie 0. Messi, c'est pas comme ça que tu vas gagner une Coupe du Monde, merde. Ouais, eh, Sampaoli fait jouer du ballon, sinon on va te couver. Comment on va dire, Mélodie? Je sens plus mes pieds. C'est à cause de toi. Quelle raison? Ta tête, quoi. Je pense que raciste. Mets un like si Mélo elle est raciste. J'aime que les Africains. Mais je vous jure, eh, là, ça me fait grave penser à ma coupe. C'est pas la même chose. Tu as ma coupe et tu regardes le stade. Les gens qui veulent rentrer à l'hôtel, c'est maintenant. Vincent, Vince, tu es rentré. Les gens qui veulent rentrer à l'hôtel, c'est maintenant. Mélo, ok, bah Vince, on te laisse ici. Allez, à plus. Ok les gars, changement de plan, finalement on est resté au terrain. Et en fait il y a les joueurs de la Tangoli qui vont faire un match. Là tonton, tu vas nous dire en vite fait là ce qui se passe, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton job? C'est quoi ton job? Coach? Ouais. Coach de la Russie. Ah attends, là t'es en mode coach Ian, en mode Jusséan là. Ouais non, parce que tu sais ils ont trop peur que je mette des petits ponts, donc je suis que sur le côté. Peut-être que je rentrerai à un moment, c'est ouais. Et voilà, là aujourd'hui on va essayer de battre l'autre équipe qui représente la Germany. T'es en mode Guardiola là. T'as vu ou pas? T'es en mode Mourinho. Exactement, non je préfère Guardiola, il joue plus. Vas-y, t'es en mode Guardiola, on va dire. Et hop, qui voilà, hey. Le retour du coach. Moi, ouais, attends, ils t'ont appelé comment là? Garnier. Alors, il y a vraiment qui Garnier? C'est tous les noms, ils sont écrits en bleu, ça veut dire que ce maillot, tu peux le trouver nulle part dans le commerce. Tiens, je rappelle qu'il est la génération Batistuta, Crespo. Congratulations for all of you to be here. So, doing it so nice. But, what this is an accomplishment, but you guys still have another effort to do. So do it tonight. Try your best. We have the best advice ever. Kaka give us advice. We cannot lose, right? Yeah. Of course. Daniel Cutting. Germany player today. Germany player. That's all they need to know. I'm German. Let's go, guys. C'est la pression. J'ai plus la pression de pas jouer. J'ai l'impression de dire, faut que j'annonce tout le monde au mic. Il doit dire trois mots au micro, il bug. C'est un truc de ouf. De péno, on en regarde un en live. Oh, oh shit!
Non, je vous jure, il n'y a que des pénalties de ouf depuis tout à l'heure. Je vous ai montré le mauvais. Guys, les gars, on a un truc pour vous, regardez. Kaka, il vous signe le ballon pour la S3 Society. Faudra le gagner. Hi, hello guys. Cool. Voilà, petit ballon dédicacé pour vous. Bon, la signature, elle est pas super, super, super propre. Mais voilà, tu la vends à combien de likes, cette balle? Balle de Kaka, en pensant qu'il a fait ballon d'or. Ouh. Ce qui fait 41 200 likes pour avoir la balle. Signé par Kaka. Ok, 41 200 likes pour avoir la balle signée par Kaka. Je vous laisse avec ça. Allez où ma signature? Bon, elle est là. On va falloir qu'elle disparaisse. Bon, Toton nous prend la tête là, donc je crois qu'on va se tirer d'ici en rapide. Merci. Allez, let's go. De retour en France. Non, il faut que j'essaie de retrouver les autres un peu parce que je sais pas où ils sont. Allez, tire-toi. Allez, fous-moi le camp. Allez, toi, le Rouskov. Il reste que nous, poteau. Moi, techniquement, ma valise, elle est là. Yo, l'Astro Family, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a un petit cadeau pour vous. Le ballon, il est dans mon sac. Je sais pas si vous le voyez là. Voilà. Il est dédicacé par Kaka. La question pour la gagner, pour le gagner, elle est très très simple. C'est de me citer quels sont les 4 derniers pays à avoir remporté la Coupe du Monde. L'annonce sera annoncée dans la prochaine vidéo. Et voilà, et en attendant, n'oubliez surtout pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Peace.